Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, sous télévision nationale d'Haïti dans le sein, nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons retourner sous ensemble d'activités qui marquait 212 l'année assassinat empereur Jacques Ier, papa Nanchon. C'est Pont Rouge, ensuite Marché des Salines, et puis on a regardé tout, réalité que tu as gagné sous la sous béton hein, par rapport à la manifestation que tu as annoncée pour demander reddition contre Fonds Petro Caribéo. Pour nous faire tout ça, on a recevoir porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler, qui a accepté de répondre à une question au matin. Madame Chandler, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serge Junior, c'est toujours un plaisir pour moi la télévision nationale d'Haïti, dans l'émission mise au point, et bien justement pour nous faire parler avec la population. Pour nous informer de qui ça la présidence a fait et dans le contexte ça pour nous faire un petit parler sous journée 17 octobre là qui était hier. On démarre à Pont Rouge, le président avec tout l'autre pouvoir dans l'État, déposé un jeune fleur dans le monument Jean-Jacques Dessalines. Mais après, c'est des situations pas si faciles, Roche et Katouche. Qui ça nous gagne au niveau de la présidence sous ça qui passe là? Eh bien, au niveau de la présidence sous ça qui passe là, nous devons dire que c'était une activité traditionnelle qui est toujours faite en rapport avec devoir de mémoire par rapport à 17 octobre, qui c'est événement triste dans l'histoire pays noir, qui s'est assassiné. Et empereur Jean-Jacques Dessalines, côté et chef l'État, toujours à le déposer et gerbe de fleurs, ça, dans Pont Rouge, côté action malheureuse, ça, lui-même, l'idée faite. Effectivement, le président de la République l'a accompagné de première dame, Martine Moïse, avec une équipe, l'autre autorité, et a accompli devoir de mémoire, ça. Enfin, dis-nous que pendant que le devoir l'a tap fait, pendant que le président, avec l'autre autorité, a accompagné de première dame, l'a déposé gerbe de fleurs. Là, le bagaille était sous contrôle. L'activité à un moment que le président était là, était faite avec un pile sécurité, était faite avec un pile sécurité. Cependant, et nous devons déplorer qu'une fois que l'activité normale, hein, tu as fait activité de mémoire, là, il y a des incidents, effectivement, il y a des jets de pierre, il y a des tirés qui étaient faits qui pour détruire sérénité et puis importance historique au moment ça. Nous pas aucun secteur, nous quoi qui t'a des ça, non? Bon, de toutes les façons, secteur pour ta DSA, c'est secteur qui malheureusement est voulu, nous avons droit dire, empêcher le développement dans le pays d'Haïti et les WAP tirer dans un espace pareil, un espace hautement symbolique pareil, le WAP GT Roche, dans un espace hautement symbolique pareil, c'est que quelque part tout, ou oublier sa Pont Rouge, vle dit, oublier symbolisme Pont Rouge, là, oublier ça, qu'a vle dit, petit mounioto qui tape suivi. Et qui voulait comprendre et 17 octobre là ça voulait dire dans l'histoire pays yo, ça voulait dire pour yo qui appelait à vivre et arrêter dans pays a pour l'instant enquête la pral mener mais nous avons dit que c'est regrettable et que c'est malheureusement un secteur qui pas comprendre hautement qui pas comprendre symbole hautement historique ça pour où je voulais dire pour pays a bon photo qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi bon agent de l'USGPN qui t'a reçu en coup de roche et effectivement, nous déplorer que gagnent des agents USGPN, excusez-moi, dans le bilan, justement, alors nous pas parler de Pont Rouge seulement, on a parlé de manière générale, ok, nous déplorer que gagnent des camions, des machines police, eux-mêmes, qui subissent des dégâts, des agents, tout, justement, qui subissent des atteintes à corps physique. Donc, effectivement, nous déplorer les situations sans et n'a profité de l'antenne ça tout Serginho pour nous remercier et la police nationale d'Haïti qui malgré toute difficulté que nous connaît que institution ça a gagné que malgré tout défi que nous connaît que journée 17 octobre ça en termes d'attente en termes de ça que dictable gagné et bien malgré toute difficulté ça yo et bien la police nationale d'Haïti a joué son rôle a fait son devoir et nous remercions merci en pile police nationale d'Haïti. Nous remercions tout USGPN qui fait ça yo capable tout et avec toute difficulté que nous connaissons que institution ça yo gagné et bien pour remplir rôle yo pour faire devoir yo.
Deuxième étape, venir, c'est après le marchand, mais avant ces mounets étaient démarrés, on semble pas, on a parlé comme quoi des ministres qui étaient en difficulté, qui ont accès à marchand, qui ont arrivé à bloquer Saint-Marc. Et est-ce que, au niveau de la présidence, tu avais touché, qui ça n'était pas comme disposition pour te corriger la situation si c'était le cas? Bon, alors, Serginho, ce n'est pas exactement au niveau de la présidence pour gagner des actions. Qui prend action au niveau du gouvernement, tu prends en amont, ça veut dire depuis un vent, côté effectivement, d'ailleurs, premier ministre République là, lui-même, il était fait, premier ministre PIA, il était fait en adresse à la nation, côté il était expliqué que, effectivement, je nous toujours dit, non, d'ailleurs, que manifestation, c'est un droit, c'est le droit à la parole, droit à s'exprimer, sans penser à son penser, son droit constitutionnel que tout le monde gagne, mais son droit pour exercer, eh bien, selon les règles, selon les normes. Donc, disposition, yo, nous te prenons depuis un vent, d'accord, côté, et nous un responsable go, autorité pays. Ils ont demandé la police nationale d'Haïti et bien pour prendre toute disposition au côté toute disposition ont été effectivement directeur général police nationale d'Haïti tout est parlé et donc nous avons pris toute disposition en amont dans le sens que nous responsables ont pris toute disposition ont demandé tout le monde en charge pour te faire voir et nous avons dit tout au niveau psychologique nous avons montré population que nous là que exécutif là que responsable là et que y a pour faire tout ça pour faire pour journée 17 octobre là qu'a fait et eh bien dans le respect de cette date historique. Mais malgré ça on a senti à un certain moment de journée tu manques de sérénité, tu as plein de monde qui était paniqué madame Chandler et tout le monde qui t'a pas route nationale numéro 1 à hauteur de Saint-Marc. D'ailleurs gon machine qui t'a transporté journalistes qui t'a sorti une activité à tes points coutouages et grand pile dans confrère concerne New York qui vraiment dans une situation difficile. Et bien justement m'a profité tout de antenne ça Serginho en tant que porte-parole président de la République d'Haïti. Donc ça veut dire que en tant que monde qui gagne en pile interaction avec la presse, pas qu'à faire job moins sans la presse pas inviter me faire job moins sans un journaliste pas inviter me et faire job moins. Donc m'a profité de antenne ça pour nous dire tout journaliste yo, franchement nous compati à sacrivé yo ailleurs dans zone Saint-Marc là et n'a tout profité tout dit que de toutes les façons c'est inacceptable. Ce sont des travailleurs de la démocratie, ce sont les travailleurs du pays et il n'y a pas violence, pas supposé faite sous personne, violence encore moins sous monde qui joue un rôle si important pour construction société, pour construction démocratie dans le pays, qui c'est les travailleurs de la presse. Encore une fois, on a dit que nous compatis à tous frères, acteurs, amis, nous qui dans la presse, qui subit moment difficile, ça, côté vie, eux-mêmes, tu es vraiment en difficulté et on a profité tout pour nous dit que, encore une fois, que c'est inacceptable que côté moun, côté pays d'Haïti, constitution pays d'Haïti, permette tout le monde d'exprimer tête, yo, mais je nous toujours dis là, l'expression, parole, sauf les dire, sauf les faire passer, il supposé faire passer sans, il supposé passer sans violence, il supposé passer dans respecter droit moun, dans respecter vie moun. Et là encore, ma prodile, Serginho, avec violence, ça, yo, inacceptable, nous pas tolérer, yo, ce n'est pas la façon de faire, ce n'est pas la façon de construire la démocratie, ce n'est pas la façon de construire notre société. Mais entre-temps, là, et pour toute ville provinciale, il y a des cas qui ont illustré, qui ont blessé, machine qui a boulé, et pas bilan, ça n'a pas dit la présidence rien. Comment voulez-vous qu'un bilan pareil ne dise rien à la présidence? Bien au contraire, moi, quoi que police nationale d'Haïti, pour l'instant, fait état de 2 morts et fait état de 11 blessés, et nous déplorer ça, nous-mêmes, au niveau de responsabilité. De monde qui est responsable au haut niveau de l'État, nous te prenons toutes dispositions, nous te demandons toutes instances concernées yo, pour yo faire de voix. Yo. Et encore une fois, nous remercions la police nationale d'Haïti que yo même yo te rete tête frette parce que Andy Bagay, l'agent Lieya et Serginho, côté que effectivement, un mouvement qui était fait dans le pays ya, pour faire des manifestations, pour réclamer côté comme l'agent Petro, côté l'agent Petro.
Caraïbes a passé, ça yo fait avec lui, qui sont mouvements sociaux, qui sont mouvements lancés pour moun dans société a, yo même qui a exercé droit pa yo pour yo mandé et bien petit moi yo même yo pral obligé remettre l'argent, moi même pral obligé vivre dans pays côté que yon l'argent te bay, moi même faut me connait qui ça, ce qui est tout à fait normal, c'est le rôle de la société civile. Au contraire, ça montrer que jeunesse pays nous on connaît rôle pali et bien nous même nous dit que excusez-moi, nous dit que justement côté gen groupe moun sa yo même qui t'a fait manifestation pa yo, et bien nous trouvons que li regrettable que malheureusement dans le pays d'Haïti toujours gen de leur groupe qui viennent profiter dans situation pour venir créer des ordres, pour venir créer justement violence, et nous même nous dit que vraiment nous pas nous condamner et pral gen toute mesure qui pral prendre pour mener enquête pour qu'on ait justement et qui moun qui à l'origine de des ordres sa yo pour yo même yo puni selon ça la loi prévoit. Maintenant et te gen di a des moun qui était dans Petro Caribe Challenge dans ce mouvement, parallèlement gen des groupes politiques yo même tout est annoncé mouvement et même yo radicalisé position par rapport à l'administration président Jovenel Moïse là. Comment nous voit ça, et est-ce que et au niveau de la présidence nous essayons de garder qui réponse nous capable porter par rapport avec revendication que tapé gain sous béton hier là. Revendication ça oteye. J'aime dire la revendication, c'est des revendications et 17 octobre la salte au départ, c'était effectivement groupe moun sa yo en dans société civile pays a en dans pays noir, et bien qui fait des revendications que nous doit dire que aujourd'hui dans tout pays qui a fonctionné côté groupe moun sa yo même, yo mandé à l'état des comptes, d'accord, par rapport à l'argent qui te bail au nom de République d'Haïti, par rapport à l'argent que ou petit tout petit moun a bien pour bail. Donc qui j'en ouais ça nous même nous ouais ça en tant que là nous dit nous même n'a parlé de haute autorité pays yo, nous ouais ça comme on nous doit dire une revendication normale. Et d'ailleurs président Jovenel Moïse l'an et discours que lui a adressé l'an 17 octobre nous parle parler de ça, et bien et parler et de Petro Caribe à clair, et il dit à clair lui même ça lui pensait, il dit que monde qui utilisait l'argent l'état dans mauvais conditions, et bien yo même yo pral gen pour rendre compte à gens yo utilisé l'argent l'état, et si yo identifié des monde qui utilisait l'argent l'état effectivement dans mauvaise condition, et bien yo gen pour yo prendre sentence yo. Moi c'est que nous président Jovenel Moïse répond dans discours 17 octobre là à clair à question Petro Caribe ça à état de compte que groupe dans société civile là a mandé. Moi c'est que c'était l'un des moments forts et de ce discours du président de la République en ce 17 octobre côté si gen des monde qui était toujours à poser tête aux questions, au final qui position président qui ça le penser, et bien parce que président dit à clair et l'un discours, et bien tout le monde qui utilisait l'argent l'état mal, et bien il y a gain pour prendre compte, et si effectivement il arrive que le prouver selon un procès, et le président a parlé de procès, selon un procès qui fait dans les normes, et me pensais que son autre aspect dans discours qui très important tout, et Serginho le président dit que pas gain piqué devant que procès a, il faut le faire dans tête frette, et effectivement, et bien si il y a des monde qui t'arrive identifier que yo utilisé l'argent l'état mal, et bien le président Jovenel Moïse li a clair, et bien la justice doit faire wol li pour lui justement lui mettre sentence qui approprié par rapport avec et malhonnête acte malhonnête ça que moun que procès a identifié qui utilisé mal l'argent Petro Caribe. Maintenant par rapport aux politiciens, moi pense que en dans discours en tout nous joignons nos réponses. En dans discours en tout nous joignons même deux types de réponses. Côté président Jovenel Moïse dit que il faut nous finir avec division. Faut nous finir avec situation ça yo qui mettait pays nous dans état que lié. Président Jovenel Moïse parlait à clair avec tout le monde, les cités non, tout le monde, les cités non, les cités groupes, ils parlaient de politiciens, ils parlaient de élite, ils parlaient de ouvriers, ils ont parti dans le discours, ils ont décanté, ils parlaient de intellectuels, ils reprennent rêve empereur Jean-Jacques Dessalines, et ils disent que faut division ça suspend, ils disent que empereur Jean-Jacques Dessalines, c'est papa pays alté, son seul bagage que le veut dans la tête, c'est l'union de tous les Haïtiens, et l'union pas qu'a fait la division. L'union pas qu'a fait la violence. Donc c'est en réponse tout à question que ou posez maintenant que qui sa présidence l'a pensé de politiciens. Présidence l'a pensé que politiciens c'est un pays à yoyer, que tout
monde gen rôle pa yo pou yo jouer, mais que rôle là c'est pas rôle division, rôle là c'est pas mettre du feu, rôle là c'est pas craser briser, rôle là c'est Jean pour Jean-Jacques Dessalines nan te vle qui malheureusement rêve pas là, pas comprendre pour tout monde qui était dans pays d'Haïti en 1806, et bien lui-même président Jovenel Moïse l'a invité qui tout politicien, qui tout élite commerciale, qui tout élite intellectuelle, qui tout ouvrier, qui tout professeur, li invito pas rentrer dans la division, pas rentrer dans la corruption. Car son premier parti, la réponse que, ou la question côté Dimné, la réponse que le président Jovenel Moïse pote, et toujours par rapport à la question, gon deuxième réponse que le président Jovenel Moïse pote, et me pense que li insiste en pile dans le discours, li insiste en pile. C'est là elle dit que lui-même l'a prôné l'union. L'a prôné l'union. L'a invité tout le monde à participer dans le développement du pays. L'a longé même par tout le monde, Serginho. Et je pense que c'est très important pour nous dire le jour aujourd'hui, qui c'est 18 octobre, qui c'est le lendemain, que le pays nous a malheureusement et li vivent des moments encore difficiles. 17 octobre, là, ça lié. 17 octobre, là, c'est un moment triste dans l'histoire du pays. Nous, hein? Côté que, à l'époque, en 1806, eh bien, empereur Jean-Jacques Dessalines, il n'y a pas de comprendre le rêve que le te gagne. Hein? Et haïtien, pareil, Jean-Président Jovenel Moïse répétait dans le discours, eh bien, il y a tout yel. Qui ça, 17 octobre, représentait pour nous? 17 octobre représentait pour nous un moment côté chaque haïtien doit réfléchir sur signification et événement triste. Sous ça, ça voulait dire pour nous en tant qu'haïtien. Pour ça, ça voulait dire pour nous, est-ce que nous avons continué la violence qui l'a assassiné au monde? C'est violence. Est-ce que nous avons continué la division? Lorsque vous montrez, lorsque assassiné au monde, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça que vous voulez faire. Est-ce que nous avons continué la intolérance? Lorsque assassiné au monde qui te baille indépendance là, ça veut dire que vous pas même essayé de parler avec elle, ou pas même essayé de faire dialogue là. Donc, là, c'est ça, ça voulait dire pour nous. C'est poser tête nous question ça en tant que monde cap vivre 212 ans après événement ça. Est-ce que nous voulons continuer dans la violence? Est-ce que nous voulons continuer dans l'intolérance? Est-ce que nous voulons continuer dans la division? Ou bien est-ce que nous apprenons rêve Jean-Jacques Dessalines en main en tant que société 212 ans après pour permettre tout le monde participer dans la richesse pays? Et nous avons dit que c'est très important, Serginho, pour après 17 octobre, 18 octobre, que malheureusement, 212 ans après, il y a deux mondes qui mourent, il y a blessé, il y a qui ont des business encore une fois, que vous voyez, wash sous yo, que vite vous crasez. Moi, c'est que c'est très important encore pour nous adresser nous à la société haïtienne. Là. Et Jean-Président Jovenel Moïse dit là, c'est le moment de l'union, c'est le moment d'oublier tout chirépit pour, et Président Jovenel Moïse dit là, et c'est rare que des monde aussi haut placé dans l'État utilisent certains mots. Ils utilisent rouge, ils utilisent noir, ils utilisent moun riche, ils utilisent moun pauvre. Elle a parlé de union qui est nécessaire là. Donc quelque part, président Jovenel Moïse ramassait tout tort, toute difficulté, tout élément de que haïtien mettent en tête de division dans pays a. Lors parler de moun rouge ou mettre en face ou mettre en face en tête tout moun noir. Lors parler de moun riche ou mettre en face ou et moun pauvre. Enfin. Donc il prend ça yo, il mettait le devant population le 17 octobre et dit faut division ça yo. Division ça que nous mettons en tête nous. Faut qu'il fini, c'est le moment de l'union, c'est le moment de la construction, les ramasser rêve Jean-Jacques Dessalines pour tout haïtien. Tout haïtien, sans distinction, profiter de richesse pays. Parfait. Là maintenant, sur la question Petro-Caribe, parce que tout le monde a plus de garder, dit que ça fait arriver là, c'est question mouvement et Petro-Caribe challenge. Là. Et mon qui dans le mouvement, ça, même dit que tu as souhaité gagner des signaux clairs qui baillent. C'est vrai que le président parlait plusieurs fois sur la question Petro-Caribéa. Hier encore, je me disais, on va parler de sa vie devant, on a parlé du discours là. Mais il a dit qu'il y a peut-être un signal. Il y a peut-être que le président montrait effectivement la créer conditions
pour que moun qui t'est participé dans fond ça vienne rendre compte et déterminer pour la justice qu'a déterminé s'il est coupable ou pas. C'est là niveau ça, c'est là attendre la présidence par contre est-ce que ça arrive dans nos oreilles nous et s'il arrive qui ça signale au pralier dans jour qu'a venir pour qu'on pas obligé des mouvements de temps en temps dans pays a qui entraver fonctionnement normal à Haïti. Ce qui permet moi faire un petit commentaire personnel, d'accord, et moi pas penser que c'est à cause de mouvement Petro-Caribéa que nous que 17 octobre là vinn gen deux monde mourir ou bien vinn gen blessé. Jean nous dit et Jean et nous toujours dit dans société a c'est normal et au contraire ça montre que société haïtienne là son société malgré ça moun yo besoin faire comprendre que son société léthargique, que son société moun mouri, que son société que personne que la jeunesse pas veut impliquer. Non, au contraire mouvement Petro-Caribe Challenge là et nous même nous comprenons comme un mouvement qui constitution lui-même qui reconnaît droit à tout monde pour le manifester et nous comprendre que au contraire ça montrait que jeunesse haïtienne là lui-même lui voulait impliquer là et nous gain droit dit vie paysan et au contraire et gain au niveau de la présidence gain en pile action qui prend et nous pral parler de ça et présidente parler de ça au sein de discours pour permettre plus d'inclusion de la jeunesse haïtienne dans le pays noir, particulièrement inclusion économique avec programme PAPEJ. Mais nous pourrons parler de ça, je ne connais pas programme PAPEJ. Là, son programme que gouvernement, que président Jovenel Moïse mettait sous pied pour permettre aux jeunes de participer à un concours de plan d'affaires pour venir joindre, nous avons droit dire, des crédits, de l'argent à de meilleurs taux. Donc, pour nous, nous pas penser que c'est des mouvements sociaux qui créent des ordres dans le pays. Nous pensons que c'est malheureusement, nous avons dit, des mouns qui ont utilisé des prétextes pour régler affaires payo qui fait que violence, division qui toujours était dans le pays. Vous avez fait un peu de prétexte là. Mais non, nous-mêmes, nous pas quitter moun gen prétexte, yo même lègue de mauvaise foi, moun toujours a utilisé des situations pour régler affaire pa yo, pour arriver dans l'agenda pa yo. Mais pour me répondre kounya, et pour me continuer à répondre à la question pour là, et est-ce que gen des signaux clairs qui pral bay par rapport avec Petro-Caribe? Encore une fois, je reviens au discours du président de la République. Les signaux sont là, le président a adressé le problème. Le président a dit qu'il est pour ce procès Petro-Caribe. Le président s'est même retourné auprès du Premier ministre pour lui dire encore une fois combien il est important d'adresser le problème de la corruption. Encore une fois combien il est important pour envoyer ce signal à la société haïtienne que le nouveau leadership d'Haïti est un leadership qui combat la corruption, donc qui va mener à bien et à terme. Et nous avons droit de dire, lutte ça pour comprendre qui côté l'argent Petro-Caribe a fait. Et je pense que c'est très important tout pour nous dire que oui, n'a fait li. Oui, président Jovenel Moïse, oui, dit encore dans le discours 17 octobre là, le procès se fera. Il faut que nous connaissions côté l'argent a fait, côté l'argent fait et ça y a fait à l'argent. Deuxièmement, président Jovenel Moïse était très clair pour lui que faut qu'il fait dans tête frette. Et là, si vous permettez, moi, parce qu'on parle de signal clair, faut qu'il fait dans tête frette, il ne faut pas qu'il pique devant, il faut que les gens qui réellement coupable yo. Et moi, c'est que le très important aspect ça dans le dossier Petro-Caribe à Serginho. Faut que les gens qui réellement coupable yo, faut que les gens qui réellement utilisent l'argent ça dans les mauvaises conditions, faut que c'est yo même que la justice reconnaît coupable. Ça veut dire que faut justement procès ça, li fait dans le respect des normes, li fait Jean-Président Dia, sans piquer devant, tête fred, parce que c'est un droit de procès qui est plus important qu'a fait dans le pays d'Haïti, d'accord, côté que l'État a voyé un signal clair que lors dans l'État, ou là pour servir le peuple haïtien, ou là pour utiliser l'agent État au service du peuple haïtien, parce que là où c'est responsable dans l'État, qui Wolou, c'est pour créer conditions pour richesse qu'a fait. Wolou, c'est créer conditions, créer de mesures pour richesse là qu'a distribué. Là, nous dit distribuer, ça veut dire que pour tout moun joine. Donc, moi, c'est que, ou parlez de signal clair, c'est une signal qui pique clair, yo, que
j'ai besoin de faire comprendre que comme quoi président Jovenel Moïse tape dossier Petro-Caribéa, il dit que ce n'est pas le cas du tout. Le deuxième élément, c'est que faut que les fêtes dans des bonnes conditions, pas gain piqué de fin, c'est la tête frette. Et la tête frette là, pour qui ça? Pour que justement ces gens qui vraiment coupable calent en prison, si bien prison, qui pour condamner, si bien condamné. Donc moi c'est que c'est des éléments vraiment très importants que je devrais mettre. Et l'autre élément tout qui est important par rapport à procès Petro-Caribéa, nous connaissons que le dossier a lui-même le niveau cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Donc c'est très important tout pour la population comprendre que pays nous avons des lois, pays nous avons un système, un gens qui fonctionnent. Et bien justement selon le système ça, pour l'instant c'est le cours supérieur des comptes l'en lié. Et le président Jovenel Moïse avait rencontré justement les membres de la Cour supérieure des comptes et t'ai expliqué que le pralbay en tant que président de la République, selon sa constitution, permet lui tout encadrement à institution ça pour le faire job ça, j'en sa doit. Sauf fait trois groupes politiques qui croient que là, il n'y a pas pensé, l'administration là, capable de vivre fait, le processus bien créé, condition processus en fait. Mais qui niveau quoi, la présidence, ça doit avoir confiance. Un groupe ça qui a parlé dans ce sens, Madame Chandler. Moi, je pense que, et j'en dis le talent à là, ce n'est pas le président de la République qui est le responsable de la justice. D'accord? Lui-même, il fait partie du pouvoir exécutif là. Et en tant que président de la République, lui-même, il faut créer toutes conditions pour tout élément, toute institution dans la société, il a fonctionné, j'en sa doit. Et c'est justement ça, président Jovenel Moïse n'arrête pas de dire que lui-même, il voulait que le procès, lui-même, il fait tête frette, il pas fait non piquer devant, et que institution qui est responsable selon loi, nous, selon système, nous, pour porter dossier ça, que institution ça a fait dans tête frette, notamment pour l'instant, c'est dossier à au niveau de Cour supérieure des comptes, il dit encore que la porter en tant que président de la République, j'ai une constitution en lui-même, lui permet l'encadrement à institution ça pour jouer Wally. Puisque dans le dossier Petro-Caribé, hier, président de la République, Jovenel Moïse, Jean-Paul a souligné la TF1, machin de ça, dans le discours liant. Pour que ça, pour ne pas attendre, on bout, dans l'intervention, chef l'État, pendant qu'il a parlé sous le dossier Petro-Caribé, c'était Marchand de Salines, dans l'occasion 212 années assassinat Papa Nation. Là, nous devons devant nous. Nous devons devant nous. Nous demandons nous pour nous bambulter, vote nous pour mal diriger. Mais te dis nous bulletin, ça son bulletin. Nous pral mettre nos banques, c'est pas nous une nous pral mettre. Moun marchand de Salines, jodi a, nous commençons à la banque nous retirer bulletin nous. Parce que marchand de Salines, y'a lumière. Marchand de Salines, terrain football a construit. Magistrat a dépassé. Te bon outil. Nous bon bibigere le Nouveau Testament, ti bibitia. A dépassé son ti bib, jodi a. Magistrat, bon, on lui second. Nous avons une grosse Bible. Nous avons une grosse Bible. Eh bien, nous avons une Bible tellement lourde, c'est le premier ministre, mon Gilbert. Chaque la lourde, même pour te m'agaboter, nous avons une longue premier ministre qui est chef du gouvernement. Parce que magistrat, qu'on nous a voulu, sénateur, grâce à Delphat, qui s'est parlé là, qu'on nous a voulu. Et ça, vous voulez bien net, peuple haïtien, même Jean-Papa de Salines, vous voulez bien net, peuple ça. Alors voilà pour précision, président qui était surtout parlé de Marchand de Salines, réalité jeudi à qui commence à changer avec courant qui arrivait, avec Parc Saint-Clair, hein, qui va le tourner au Parc Flambant Neuf, et pendant toute semaine, l'équipe de tournage Télévision Nationale d'Haïti a visité, travaillé ça, et la réalité a qui a changé dans le niveau Marchand, il y a satisfaction à côté de mon Marchand, Madame Chandler, selon données nous nous-mêmes dans la présidence. Eh bien, on pensait que effectivement, un gros effort qui fait au niveau de Marchand de Salines pour porter justement courant ça à travers installation ça. Ou bon, non, l'im pas de connu, non, c'est Parc Saint-Clair. Parc Saint-Clair, merci beaucoup. Au niveau de Parc Saint-Clair, côté responsable, nous avons dit,
énergie dans le pays d'Haïti annoncé justement en collaboration avec EDH et bien fait ça doit faire pour et bien réalité courant et bien lui-même l'établi et dans marchand des salines. Moi pense que et justement pendant que Mounio yo même surtout monde qui voulait et nous gen droit dire qui c'est des opposants radical à président Jovenel Moïse a dit que pas gagné cap fait dans pays etc. Pense que et Parc Saint-Clair c'est un exemple et côté que sa président Jovenel Moïse dit que l'a fait et bien lui-même il mettait toute énergie avec équipe li justement pour réaliser pour contribuer à développement pays d'Haïti et c'était un élément tout important dans discours président 17 octobre côté qui dit côté président Jovenel Moïse dit que en réalité pas qu'à gagner développement dans le pays d'Haïti sans pas gagner courant. Pas qu'à gagner développement dans le pays sans pas gagner de l'eau. Pas qu'à gagner développement dans le pays sans pas gagner route. Et justement, n'a pas reprendre ça pour tout le monde qui a coûté nous. Faire l'opposition, c'est une. Mais faire un consensus sous minimum qui supposait exister dans le pays à son lot. Et encore une fois, président Jovenel Moïse, dans son cri solennel hier, il l'a bien dit, un cri solennel pour combattre division, pour combattre violence. Président Jovenel Moïse, vous dit encore, et c'est pas la première fois qu'il dit long discours, président Jovenel Moïse dit, il n'est pas venu goumer à personne. C'est président pays allié. Là, on monde vient président pays. Ou pas vient goumer à personne. Au contraire, ou vous mettez tête au devant pour rassembler tout le monde pour aider pays nous en sortir dans sa liée. Président Jovenel Moïse dit encore, il n'est pas venu goumer à personne. Il est venu goumer contre la vie chère. Il vient goumer contre l'exclusion. Il est venu goumer justement contre tout tort qui existait dans la société, qui empêchait la société nous à avancer. Donc, pour nous répondre plus particulièrement à la question, par rapport avec Parc Saint-Clair, oui, effectivement, nous pensons que c'est un exemple de toute action, tout effort que l'administration président Jovenel Moïse avec toute équipe li a fait pour permettre pays nous arriver finalement sur route développement. Et, sous permettre de dire, Serginho, président dit encore hier, et je pense que élément ça c'est les nouveau peut-être dans discours mais faut prêter attention à lui côté que bagaille pas faite en un coup d'éclair. Moi c'est que c'est terme exact que président Jovenel Moïse t'a utilisé hier dans discours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que changement prend temps. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous connaissons, et ce n'est pas la première fois que moi-même, en tant que porte-parole président de la République, m'a dit personnellement, nous connaissons et nous conscients de situations difficiles économiquement et socialement que pays noir ni même la connaît, la vive. Cependant, nous obligés de dire tout que changement pour situation ça justement li croapé, li pas existé encore, et bien changement la longue. Les mauvaises habitudes, excusez-moi, on la dent dure. Ça veut dire que nous faisons quand même un pile temps côté n'a agi, côté malheureusement, ce n'est pas toujours l'intérêt collectif, l'intérêt commun, le bien-être de tous que nous est. Malheureusement, et plus ça yo là, et bien pour changement en fait, changement prend temps. Mais président Jovenel Moïse réitéré encore hier lundi discours là volonté pour tout le monde et pour le rencontrer pour le mettre tout le monde en changement ça un changement cap prend temps parce que style de changement ça yo c'est pas un coup d'éclair Jean président dit que la fête. Un autre élément important tout, Serginho, en dans le discours ça, et président peut-être répondre à un reproche que certains monde toujours fait lui, que président pensait que c'est lui qui a fait toute bagaille, que président allait tout côté pensant que c'est lui même seul qui a agi en dans la société a, pensait que président Jovenel Moïse dit lié à clair dans le discours, il pas qu'à faire bagaille pour contre lui. Il dit. Et c'est peut-être pour répondre à critique ça yo qui voulait faire comprendre que président Jovenel Moïse croit que c'est lui seul qui a agi, que c'est lui même seul qui a fait. Ayer dans discours, président Jovenel Moïse parlait très clairement. Changement ça yo, style de
nous avons dit processus ça pour mettre route nous définitivement sur le chemin de développement, c'est pour un grand monde qui a fait. Les papes qui a fait pour contre lui, les besoins de participation tout le monde. Mais quand on regarde des remarques tout qu'on fait comme quoi président, on a pile dossier ensemble. Je pense que c'est l'autre élément dans le discours que le président Jovenel Moïse prend et répond justement à reproche que qu'on fait. Côté que il dit que qu'on dit que il touchait effectivement un pile dossier en même temps. Je me dis quoi qu'il trop embrasse les traits. Oui, mais le président dit tout en dans le discours. Lors où en situation par rapport à la santé, est-ce qu'on a quitté parce qu'on pense que c'est éducation puis bon, lors où que professeur même il pas touché parce que contrairement au mal ficelé. Est-ce qu'on a dit que je n'ai pas moyen de dossier ça? C'est route qui est plus important? Donc, le président répond ni tout. Oui, effectivement, tout est important, mais il n'y a pas qu'à quitter Youn parce que et follement il y a l'autre là. Sauf que j'ai besoin de dire pour à mon cap coûter nous. Si le président lui-même lui juge que l'important pour toucher dossier yo, parce que ou pas qu'à quitter Youn pour prendre l'autre, l'important tout pour nous tout nous connaître que il y a des actions qui jouent plus énergie et par rapport avec des choix et c'est là tout que fort population connaît que gagner cet axe prioritaire en dans administration président Jovenel Moïse là côté que effectivement président Jovenel Moïse dit encore hier que ou pas qu'à quitter une pour prendre l'autre parce que toute bagaille faut qu'il fait mais toute bagaille a fait justement dans la logique des sept axes prioritaires ça veut dire que après pour monde penser que c'est des actions qui sont sans définition, des actions qui sont plan, que n'a touché à toute bagaille, ça ne pas connaître qui ça n'a fait, c'est tout à fait faux. N'a touché à toute bagaille, effectivement, mais dans la logique d'un plan, dans la logique d'une destination, dans la logique des sept axes prioritaires de l'administration du président Jovenel Moïse. Là, tu est-ce que pas nécessaire, Madame Chandler, pour que gagne des dispositions, pas pour t'amener tout le groupe à l'aise, que ce soit mon secteur privé, et mon classe politique, et n'est-ce pas, de l'autre groupe organisé, par rapport avec ensemble de mesures que le président a fait parce que au final c'est pour les mesures après le bon maintenant faut comment être senti confortable parce que tu as comme impression gagner des goyes bon côté groupe ça aujourd'hui par rapport à l'action administration président Jovenel Moïse. Moi pense que la façon dont le pouvoir a réagi après événement 6 juillet a montré que le pouvoir lui-même il voulait mettre tout le monde à l'aise. Pas oublier qu'il y a des séries de rencontres qui étaient faites dans le palais national avec le président Jovenel Moïse à la suite de ces événements du 6 et 7 juillet, côté président, il a rencontré tout le monde, il a rencontré tout secteur, secteur privé formel, secteur privé informel, secteur protestant, secteur catholique, secteur vaudou, pour ne citer que cela, secteur militant, secteur parti politique. Donc, et si dans un premier temps, il était question et de comprendre et de, il était surtout question d'écouter tout le monde pour aider président, orienter président ou bien éclairer président sous choix premier ministre là, mais il était et monde qui était assisté à rencontre ça yo et qu'a témoigné qu'il était aussi question d'entendre et ça secteur important l'envination pays nous gain pour a dit dans développement pays a. Donc moi c'est que inclusion ça que on a dit là et président Jovenel Moïse t'a montré entre autres après événement 6 7 juillet yo, il t'a toujours montré entre autres en ouvrant le palais national aux différents partis politiques différentes rencontres qui étaient faites dans le palais national avec les différents partis politiques, tout le monde était invité. Donc, moi, c'est que le signal est toujours voyé et le signal a continué à voyer parce que Jean Oudil, Serginho, le président de la République ne dirige pas pour lui. Le président de la République dirige pour la nation et la nation est composée de personnes qui doivent participer à ce développement et à la vie de la nation. Le président de la République, la stabilité, c'est premier des biens publics. Et tout ça qu'a dit là, pour le fait, il faut gagner quand même une stabilité politique certaine dans le pays, qui peut permettre que ben, les projets, les programmes, tout ça, le gain d'axe prioritaire, arrivent à atterrir tout le bon vrai. Et la stabilité politique, la création d'un environnement serein, pour gagner plus de jobs qui pour créer, pour gagner plus de jeunes eux-mêmes qui sont capables, avec IDEA et à travers justement différents programmes que l'administration mettait sous pied, notamment le programme PAPEJ, là, pour rejoindre l'agent du financement à
de meilleurs taux, à des taux que même qu'à rembourser. Donc effectivement, stabilité politique, effectivement création d'un environnement propice au climat des affaires, effectivement et création de mesures, d'actions, d'initiatives qui favorisent jeunes, qui favorisent et entrepreneuriat. C'est tout ça que l'administration a fait et pour le continuer fait. Mais Jean-Président dit hier, et je pense que c'est des éléments très importants, changement, il n'y a pas qu'à faire pour contre lui, il a invité tout le monde à participer dans le changement. Il a attendu le, nous pas dit le rameau d'Olivier, mais en attendant le président lui-même, il ouvre le bras le bail. Tout le monde encore, côté lui dit, il faut nous couper division, il faut nous couper violence, il faut nous couper exclusion. Lui-même, il a pour bail tout le monde place, tout le monde joue rôle dans le pays d'Haïti. Et deuxièmement, Jean-Jean Tabdi, la création ça de stabilité, ça, eh bien, c'est faut tout le monde participer pour gagner plus création d'emploi, pour jeunes pas partir, pour jeunes mettre intelligence, yo, créativité yo, au service du pays. Mais, fuck, et là, je dis encore, fuck, et ouais, historique 1806, là, nous prenons leçon de lui. Division, intolérance, violence, pas servi en rien. C'est justement ça yo, qui fait que 212 ans après, malheureusement, malgré que nous faisons aucune action historique, côté que nous c'était premier peuple esclave qui libérait tête pour construire une nation, eh bien c'est malheureusement avec violence, là, avec intolérance, là, avec division que 212 ans après, nous pas rempli rôle mondial nous qui pouvait continuer à éclairer Jean-Nou Tefel en 1803-1804. Et m'a redit encore, président Jovenel Moïse invite tout le monde à participer dans le développement ça. Il a lancé un cri solennel. Il l'a repris à chaque fois, l'union, quoi paix division, quoi paix intolérance, pour tout le monde participer dans la richesse pays avec la stabilité politique, avec la création d'un bon environnement pour le monde qui voulait participer, tout qui pas haïtien, qui l'autre bord qui voulait participer, contribuer à leurs affaires, avec les affaires, viennent investir dans le pays et même pour rejoindre bonnes conditions ça pour tout le monde qui a joué, tout le monde qui a joué. J'en dis à tango ça de le danser et connaissez comment faire l'autre et mon en face une chita sous table là, une fait dialogue sa président palia, c'est comment refaire ou quoi nécessité pour que c'est pas sous béton, oui, c'est sous table là. C'est ça la grande question, je dis à tout. Je pense que la grande question elle est là et Kounia, je pense que la stratégie que nous-mêmes avons utilisée, qui est la stratégie de dialogue, là, qui est la stratégie dit que nous-mêmes nous parlons, qui est la stratégie que nous connaissons, que nous ne pouvons pas faire pour nous, qui est la stratégie pour nous dire que nous parlons de division, qui est la stratégie que nous dit nous parlons d'exclusion, qui est la stratégie pour nous dire que tout le monde avec nous et nous attendons tout le monde avec nous, c'est la meilleure stratégie, qui est la stratégie qui était tout le monde tout exprimer opinion et tout. Et mais dans la loi, selon sa constitution pays a dit, hein, moi c'est que petit à petit, moun ki vraiment aime pays, hein, moun ki pa gen l'autre agenda caché, à comprendre que stratégie ça, c'est la bonne et que faut gon minimum qui fait dans pays a pour tout moun ka vive. Et puis après ça, bien entendu, un pays pas composé de 100% moun qui d'accord avec même idée. Ou gen doit là ou saute dans même famille, ou gen frère, ou gen sœur, ou gen même maman, papa qui pas gen même opinion avoir, qui pas wè bagay, qui pas wè que pomme là même gens avoir même couleur avoir. C'est pas la problème là. Le problème c'est que au moins nous entendons nous pour gon minimum qui pour fait dans pays là pour tout le monde qui a senti au bien et minimum ça. Président Jovenel Moïse paraît pour le bail qui c'est route, qui c'est de l'eau, qui c'est courant, entre autres, pour permettre le développement pays. Là, on parle de ça, changement, le président souligne dans tout discours, généralement, le président parle en pile de questions changement qui ne va pas venir du jour au lendemain, la printemps. Mais est-ce que là, tout, pas à moins, certaines pédagogies pour expliquer population, mais qui ça a été appuyé, mais qui ça a route l'amendé, mais qui sacrifice tout ça exigé, mais qui ça voisin moyen, madame Chandler. Eh bien, je pense que les voisins moyens, le président toujours dit que pour l'instant, ça qui est très important,
président, c'est que l'a utilisé l'argent qui est dans l'État pour le mettre au service de l'État. Donc, et président, par Jean Caché dit que les ressources pour l'instant ne sont pas les ressources que nous avons espéré gagner, joindre l'an mais nous pour nous faire ça, ça nous gagne pour nous faire, mais l'a utilisé les ressources que le gagne l'an mais lui au maximum, notamment en réduisant le train de vie de l'État, notamment en luttant contre la corruption, notamment en luttant contre toute mauvaise bagarre qui compte faire dans l'État pour empêcher et justement que l'argent qui gagne l'utiliser à bon terme. Donc moi c'est que justement ça fait partie de questions ou poser maintenant. Maintenant regardez la réalité, veut dire contexte ça et regardez le discours président Jovenel Moïse, est-ce qu'elle arrive à répondre à sa réalité à hier, veut dire à sa contexte à vivre là hier, veut dire madame Chandler. Contexte là ça lié 17 octobre à Nessan, 212 ans après assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines, son mouvement qu'a fait en dans pays là qui utilisait nous pas qu'a dit qui utilisait qui mandait on qui font manifestation dans date ça pour réclamer état de compte par rapport à qui Jean l'agence a dépensé et ça y fait avec en dans discours président Jovenel Moïse adressé encore situation ça et il parlait à clair parce que nous fait toute et nous qu'on doit dire interview à parler de aspect ça et situation qui s'allier son situation côté et 212 ans après assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines gain des monde dans pays qui toujours pas profiter de richesse pays toujours gain exclusion toujours gain pauvreté penser que par rapport à situation ça président Jovenel Moïse adressé à clair en dans discours il pas qu'à gain division pas qu'à gain violence pas qu'à gain exclusion ça pas mené en rien ça pas servi à rien ça mène nous côté nous aujourd'hui côté que c'est pas tout monde en dans pays d'Haïti qui a profité qui a vivre bien en dans pays d'Haïti parce que li adresser problème là Jean Saïa en oublier division et moun noir et moun rouge en oublier division moun riche moun pauvre en nous tout nous pote coller quel que soit kotoya koto sotia pour nous faire minimum ça c'est dans contexte ça nous est nous dans contexte nous gain droit dire m'a prendre encore Petro Caribe Challenge côté li adresser problème là nous dans contexte côté socialement économiquement pays a pas capable encore on dit le clair. Donc c'est ça montre tout que quelque part pays a souffri et président Jovenel Moïse adressé à souffrance peuple là côté division violence exclusion c'est ça yo qui mettait nous dans ça nous aujourd'hui a ni même li mandé tout le monde vient participer. Il lance un cri solennel pour couper division, pour couper exclusion, pour tout le monde ouais intérêt collectif ça qui c'est minimum ça pour établir le pays d'Haïti, pour tout le monde qui vit parce que effectivement pays a pas capable encore et président Jovenel Moïse dit la clé, lui même il là pour faire changement ça, vivre fête dans pays noir. Nous gros contexte jeune tout qui le perdu l'espoir et vous parlez de programme Papège là, président de souligner tout à fait, tout à fait. Programme Papège là s'allier en réalité et son concours de plan d'affaires côté des jeunes et soumettre à un jury à des mounes et que on choisit et bien idée avec que gagne à partir de créativité pour mettre des entreprises en dans pays a pour eux même yo faire l'argent par eux et pour capable bail plus job et bien justement gagne des concours qui détend réalisé et des jeunes qui gagne et cap profiter de financement justement à un taux et nous avons dit qui est intéressant pour eux. Donc justement, on a compté sur les jeunes, on a félicité le dynamisme jeunesse haïtienne là, et dynamisme jeunes haïtiens qui ont même quoi dans la tête par eux toujours. Moi, c'est que c'est très important tout pour nous dire que jeunesse haïtienne là, malgré tout ça, ils veulent faire nous comprendre, jeunesse haïtienne là, quoi dans la tête toujours et ils croient que le cas toujours fait des actions positives dans le pays qui font un changement. Donc oui, nous comptons sur les jeunes. Sous jeunesse là, oui, n'a encadré jeunesse là, notamment avec action ça, notamment avec toute action que au niveau de Alpha Haïti n'a fait, notamment de toute action que n'a fait au niveau de l'éducation nationale pour remettre le système éducatif nous en sous pied. Donc oui, non seulement n'a compté sous jeunesse là, mais n'a encadré jeunesse là, Jean Sadoua avec différentes mesures ça que n'a prend
en faveur. Parfait. Il y aura de grandes décisions après le 17 octobre par rapport avec Jean Malaté hier dans la rue, non? Moi-même, moi, j'ai le droit de dire que réaffirmer que le président Jovenel Moïse, depuis qu'il est monté sous pouvoir, il est toujours à l'écoute. Malgré ça, mon Dieu le fait comprendre, il est toujours à l'écoute. Et c'est parce que, depuis même avant le président, il était à l'écoute et il était vivant dans le peuple là, que il était un programme ça. Qui programme lié? Programme faire route là, programme mettre courant, programme porter de l'eau, pour de l'eau lui-même, suspendu et monde, pour de l'eau porter la vie, j'en sa droit, pour route connecter haïtiens entre eux. Parce que là, nous faire route, ça lié. C'est haïtiens qui cap vivent côté en dehors, j'en dis là, cap capable finalement rencontrer haïtiens qui vivent l'autre côté qui puis bon, pour faire communication ça, pour faire connexion ça. Oui, le président de la République, Jovenel Moïse, a toujours été à l'écoute de la population haïtienne, sera toujours à l'écoute de la population haïtienne et a toujours pris pendant mandat là, Jean t'a toujours dit là, les dispositions appropriées pour faire pays d'Haïti sortir dans chimè tête chargée ça que lié aujourd'hui, journée aujourd'hui. Madame Martine Denis Chandler, ma parole c'est une porte-parole à la présidence. Je suis content de parler avec vous matin. C'est le moment, si vous m'avez pour ajouter, vous faire, parce que nous allons refermer l'émission. Eh bien, nous-mêmes, nous avons simplement dit encore que nous avons remercié la police nationale d'Haïti qui prend le voile en main, qui prend le rôle en main pour justement accompagner la population, ni même une partie de la population qui a manifesté, qui a fait les droits constitutionnels que nous avons. Et nous remercions tout l'USGPN qui prend le rôle en main tout. Et nous avons profité de tout que, encore une fois, et n'a pas réitéré message là, c'est un message de paix, c'est un message d'inclusion, c'est un message que violence, division, exclusion par là-dedans, qui ça nous voulait 212 ans après, nous voulait que le rêve de Jean-Jacques Dessalines y réussit réalisé, à savoir que tout le monde, tout petit pays a, y a profité de richesse pays d'Haïti, parce que l'État lui-même lui paraît pour lui faire rôle par lui, qui s'est créé condition de création de richesse et c'est créer conditions tout pour richesse là lui-même qui a distribué par tout le monde. Voilà, notre invité ce matin, Martine Denis Chandler, porte-parole de la présidence, pour te retourner sous activité qui est marquée 212 années assassinat, Papa Nachon, Jean-Jacques Dessalines, hommage pour Papa Dessalines, Papa Inclusion, tout haïtien, c'est thème qui t'est quimbé dans l'occasion. Merci tout le monde, soutenez là en direct, nous vous souhaitons une très bonne journée, si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.